Bonjour YouTube, bienvenue, nous sommes sur Isaac, nous sommes le 2 mai 2023, et aujourd'hui nous sommes à 194 secrets, et après moult dramas de la part des saintes écritures qui nous ont trahis en nous disant « Ah, tu vas faire le challenge 19, tu vas débloquer Epic Fetus », et après il ne nous a pas dit qu'il fallait d'abord avoir récupéré deux morceaux de clé pour débloquer le chapitre. Bref, on s'est senti trahi. Trahi. Tu l'as sans doute vu à la VOD précédente. Et du coup, on en est là. Voilà. On tente ce chapitre, pas ce chapitre, ce challenge 19, pardon. Je suis fatigué, j'ai peu dormi. Et tu le sais, quand j'ai peu dormi, c'est qui tout double. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Voilà, j'ai le chat qui miaule comme un fou devant sa litière. Il veut pas faire pipi dedans, mais tu vois, ça, c'est les chats, ça. C'est comme si je l'avais fait ce matin et il avait fait un pauvre pipi dedans entre-temps. C'est pas comme si je l'avais fait ce matin. Non, mais les chats. Capricieux, hein, capricieux, ces bestioles. Ok. Le challenge 19, The Family Man, pour débloquer Epic Fetus. C'est très simple, Family Man, hein, nous ne pouvons pas tirer de l'arme, mais nous avons trois familiers. Nous avons la clé de Paps pour ouvrir des portes. Oh. Oh. Putain, mais venez là, vous. Bénédiction. Téléportation, pas du tout. Ok, ne pas se faire toucher, récupérer un cœur et on aura un objet d'Angel Room. Merde! Scapulaire. Descendre à un demi-cœur de vie. Ajoute un cœur d'âme au PV d'Isaac. C'est nul à chier. Voilà ce que je vais vous dire. C'est nul. C'est nul. C'est de la merde. Voilà. Égal sacrifice gratuite si tu as un demi-cœur. Mais oui, mais j'ai pas de demi-cœur, là. Aïe, 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 aïe. J'aime pas ce scapulaire. En plus, là, la salle de sacrifice, elle a donné que du caca. Je suis désœuvré. PV augmenté. Ouais. Un cœur et demi, j'ai bien compris. Ce qu'il fait 14, vous vouliez en venir. Enfin, je crois avoir compris. Peut-être que je vais pas du tout réussir à le faire. À ton avis, si je rentre là-dedans, bon ou mauvais plan? C'est ok. Skyplay a dit c'est ok. Je suis rentré. Sinon, on reset, on n'a pas de scapulaire, quoi. Ouais, mais... j'ai rien à récupérer en sacrifice. Peut-être des pièces, en vérité. Salut Swing Grumi, salut Flazer. Family Guy, ouais. On a bien fait d'avoir des sous-cars.
Ouais. On va voir les salles secrètes. Comme ça, au moins, j'utiliserai pas la clé de papa n'importe où. On va dire ça. Secret room into les chaussettes. Non, en vrai, on est pas mal. Hors de question de reset cette run parce que je rage quitte. De toute façon, je vais pas prendre de dégâts involontaires. Incubus, tu dis ? Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Incubus. Incubus. Pourquoi ça me fait rire ? C'est pas drôle, King. Je suis fatigué, tu vois ? Moi, je vois juste un bus avec un énorme cul. Mais je te raconte pas quand t'es derrière le bus. J'ai un cul de la taille d'un bus. Tu m'étonnes, si elle bouffe des morts, elle doit faire des sacrées proutes. Le cul de grid à 8 PV. Ah putain, mais on est dans la seule pièce où il n'y avait pas le... Il n'y aurait pas une autre salle de sacrifice par hasard pour se scapuler. Très envie de me scapuler. La malédiction des longs tétons, non. Non. Ok, la flemme de me scapuler, il y a trop de cœur partout. C'est une run de riche. Une run de droite. Je dis des trucs parce que OP me manque, ok. Ça ne fait que 24 heures et c'est déjà difficile. Augmente la fréquence d'apparition des cartes. Ça sera plus utile que ce qu'on a actuellement. Bonne idée ! Bonne idée ! Ah ! Non ! C'est pas ça que je voulais... Je voulais rien d'ailleurs en fait. Ah ! La lumière s'il vous plaît ! Oh voilà, j'en avais ras le cul. Ça sert à rien, mais au moins on a la lumière. Portée augmentée. Rapetisse. Ami pour la vie. Trouver une pilule. Ça veut augmenter. C'est que des bonnes pilules, tout ça. Prends la love batterie. Mais pourquoi? Un pari sur l'avenir pour avoir un bon activable, c'est ça?
suivez la voie de la raison. Moi, votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. J'arrive pour la DR d'Isaac, vous devinerez jamais d'où je sors. Bah, tu sors de ton bain. Tu peux ouvrir la salle de chest. Oui. C'est vrai. De chez le coiffeur. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille? Pourquoi ouvrir la salle de chest? Incubus? Oh! Une nulle. Oui, on est déjà allé dans la salle de coffre, c'est pour ça, mais j'essayais un petit peu de trigger un peu. Oh là là. Awaz. Mais ça n'arrête plus. Ouah. Le gros plan cul là. Merci, merci beaucoup hein. Loka, Loka. Pas TDR, quoi? Comment va Isachou Capalul? Toujours contente de te retrouver en live brioche, Wildheart brioche. Salut à Géat. Merci beaucoup. Je vois Aïlitsa qui pète un plomb, là. Isachou. Écoute, c'est notre première run pour aujourd'hui à Géat et ça va. Je pensais que les salles secrètes comme ça, fallait voler. Bah si le... Tu sais bien, les rochers, tu peux faire des ponts si tu pètes un truc. Et pareil avec les cacas, d'ailleurs. Hein. Ça va faire un petit pont. Tu peux faire un pont avec du caca, aussi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec Awaz? On se le garde pour un raccourci? Où on l'utilise pour un potentiel objet très intéressant. Parce qu'il faut quand même aller jusqu'à Isaac là. Qu'est-ce que tu dis, King? King a pété un plomb. Roll. C'est dans le flambeau, mais j'ai pas vu le flambeau. Ok, plus un dégât.
Tenez les dégâts, on en a besoin pour le mec qui fait des mouches là. Mais je sais pas où on regarde le flambeau sans Chaos Card. Sans que ce soit 100% illégal là. Squatter un compte. J'ai des accès si tu veux. Ouh. Ouais, je sais pas, un jour peut-être que je regarderai ça. Fait chier, j'aurais pu l'exploser lui. Je jouais à Isaac et ma mère est entrée quand j'ai dit « Putain, je sais pas quoi prendre entre le jus de Jésus et le chat mort !» Sa juju du côté de la daronne. Mais donnez-moi le HP up, mon ami. S'il vous plaît. On peut aller dans la curse. On peut aller dans la curse et personne ne me le dit. Vous trouvez ça normal? Oh là là, mais ça suffit les rapetisses là. Backseat. Tiens la 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 la. Jugement. Eh ben merci bien. Cœur ici, à tes souhaits, à moins que ce soit une soundbox. Bah dans tous les cas, je ne répondrai pas à tes souhaits. Voilà. Mais c'était pas une soundbox, c'était moi.
Oh putain, j'ai cru qu'il allait s'arrêter sur le piédestal. Pourquoi elle a pris le collier? Point d'exclamation, pourquoi? Deux items de mum. Non, je sais pas, il donne de la luck, non, le collier? Il me semble. Voilà, un petit peu de luck. Un pari sur l'avenir, on va avoir des effets de larmes, on va être bien content. Justice. Attends, Incubus! Mais oh, mais. Faut tout vous dire, hein. Tiens. Vous êtes prêts pour la, la vérité? Non? Pas encore. Ah, j'aimerais mieux qu'il y ait Incubus, justement. Que reroll les clés. Enfin, tu vois, reroll un Devil Deal pour choper Incubus. Jolie mouche. Aha. Oh, oh. On est dégoûté. On est très très dégoûté. Je reroll ça? Putain, moi je voulais un vrai Devil Deal avec plein d'objets. J'avoue que c'est pas la fête. Ma foi. Plus là. Ah! Oh là là, mais c'est nul! Fait avec ce qu'on a. Hein. Ce serait bien qu'il y ait un shop intéressant parce qu'on a quand même le restock et les soldes. On n'a plus énormément de sous. Ah, quoi qu'encore quand même. Ça passe.
Allez, on décède. C'est long. Ils sont morts ou ils sont pas morts là? Non. Merci. Pas terrible cette salle secrète. J'ai plus de bombes là. Tu veux une clé? Allez. 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 Allez! Oh, quel connard! Ok, c'est pardonné. Merci à Ilitsa qui a offert un sub à Marty McFly. Ouais, mais des dégâts sur les mouches là. Des dégâts sur les mouches. C'était cher en clé, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Ah ah! J'ai acheté une clé. Je suis bien content. On trouve le shop. Qui n'aura bien sûr pas super grid à l'intérieur. Oula, calmez-vous la vitesse là. Putain! Il me manquait un sub pour avoir les 5 subs. On est à quel étage là? Ok. Bon, scapulaire, c'est chiant quoi. Moi je veux un vrai item. Je veux sacré d'art quoi. J'ai marqué, mais je n'ai pas de bombe. Salut Wanze. Putain, on va se partir tout l'étage là. Merci. Ok, alors ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible. Waouh. Voilà, des dégâts, c'est mieux. C'est mieux.
Bon, la trappe rêve, hein, c'est pas la folie, mais bon. Il n'y a pas une machine... Oui, il y a une machine à don du sang, donc on peut récupérer des sous. Merci Nolwenn pour le 16e mois. Merci beaucoup. Putain, cette nuit là, j'y pense parce que j'ai le hoquet un peu là. Cette nuit, j'étais en train de m'endormir et je me suis étouffé avec ma salive. J'ai cru crever, j'ai eu le hoquet pendant 10 minutes après. C'était trop bien. Voilà, c'était mon anecdote. Moi, je pense qu'on peut dire les termes, là. On est entre nous. Je vais plus oser dormir. C'était vraiment en plein... J'étais en train de m'endormir et puis... Je me suis étouffé avec ma salive. Faut quand même être un sacré connard. Salut Dandine. Qu'on achète le chaos, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Ça réveille bien au passage. Ah bah j'ai dû me lever et tout là parce que c'était... C'était foutu quoi, voilà! Super les dégâts. Chaos. Ouais, on va acheter le chaos, mais c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. C'est pour YouTube aussi. On ressort le caleçon Mylène de chez Peak. C'est vrai que Peak a trouvé un caleçon, enfin un boxer Mylène Farmer. Avec une grosse tête de Mylène au niveau du paquet. C'est quelque chose, hein. Yes. No king shame, no king shame. Non, bah, j'ai pas king shamé, hein. J'ai simplement dit que c'était quelque chose, voilà. Si vous voulez un caleçon, un gros slip Mylène Farmer, c'est vous qui voyez. Prendre la perfusion, petite perf là, avec le chaos dans le restock, ça peut être rigolo. Alors que Linkario nous dit bonjour, je sors du lurk pour poser une petite question. Tout de suite, une question. Quelqu'un se souvient du nom de l'anime d'où vient le sound effect Yamete que Brioche utilisait dans le passé ?
Ça ne vient pas d'un animé. C'est un ami qui a fait ce bruit et qu'on a enregistré. Et c'était pas Siana, non? Salut Pat Jambon, salut Cécile. C'était pas Siana, non? Non, non, non. J'ai bien dit un ami. On m'a menti durant 7 ans. Elle en a peut-être fait d'autres, parce qu'elle a peut-être imité, ou voilà. Mais celui qui a enregistré et qu'on l'utilisait comme son, c'était pas ça. Rocher marqué dans la grande salle. C'est vrai que j'ai des bombes maintenant. Salut Kim. J'ai cru que ça venait d'un anime. Et non, et non. Bien vu le rocher marqué là. Ouh. La petite cuillère. La petite cuillère? Ou la couronne magique là? Petite cuillère, non? Au moins mes familiers ont homing. Oh merde, oh, un familier. Un nouveau familier. En plus, il est fort celui-là. On l'aime bien. BFF, mais on l'a déjà. On l'a déjà, on l'a déjà. C'est dans les objets de départ. Qu'est-ce que je fais? Je reprends la clé ou je garde ma perfu pour le... Oh, quoi que je suis sûr que le prochain shop, c'est super grid, on va être trop deg. Faudrait bomber le crâne de la sirène pour le trinket. Oula, on en est loin de ça. King. Ajout d'un badge pour l'identité dans le chat. Ah, t'as mis le petit train! Parce que tu es le conducteur de la hype. Conduit notre hype. Là où Void conduit notre horniness. Moi, j'ai jamais de horniness. Oh là 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 là.
Oh, le chop. Le chop qui arrive. Ou alors il se conduit juste tout seul. Qu'est-ce que tu insinues? Hier, Void, il a dit qu'il m'achèterait le caleçon Mylène. Oh, la chance. Tu veux pas plutôt un petit cale-chemise? Salut Alinix. Que nouveau ce beau sourire. Cale-chemise 100% ici. Hein. Bah, en vrai, cale-chemise Mylène Farmer. Bah voilà, mais c'est ça, c'est ça. On peut lier l'utile à l'agréable, finalement. Ah! En parlant d'utile et d'agréable. Ce sourire vaut la fatigue des cours. Et vous, ce Isaac? Ça va, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vole! Ouh, la grosse saucisse, là! Pardon. Sans fumée, sans alcool. Attends, qu'est-ce qui se passe, King? Qu'est-ce qui se passe? Quelle chemise Mylène pour faire un runway style écorché? Attention, les filles, en mode Mylène ce soir. Je vole. Sans fumée, sans alcool. Oh, mais je connais pas, là, vos trucs, là. Moi, j'avais pas compris. T'as dit sans fumée, sans alcool. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a... Y a pas de fumée sans alcool? Sans le feu? Je comprenais pas. Vous êtes ignares. Ah, je vole. Respirer la compote, ça fait tousser. Oui, bah oui, et moi je tousse quand j'avale ma salive, donc voilà. Elle était un peu trop facile, Void. Parce que là, tout le chat l'a vu venir. La saucisse est pas utile? La saucisse est toujours utile. On prend toujours la saucisse. Quoi qu'il arrive. Waouh! Ça, c'est du Devil Deal comme on aime. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu un bug avec le pied de maman. Elle a pas commencé en tapant du pied au milieu de la salle. Ah ouais? Elle a fait quoi? La fleur, je pense.
Arrête de prendre des dégâts là, tu fatigues. Oh le parasite. Ça sert à rien parce que je lance toujours pas de larmes, mais j'aime bien, écoutez, laissez-moi un peu de joie, je suis fatigué. Ça va aller, Cindy compte jusqu'à 10. Là, je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Cindy ? Les cassos ? Ah ouais, du coup je vois, effectivement. Ok, je vois. Ça va aller, ma petite Cindy. C'est comme ça. Jusqu'à 10. Salut Miupa. Ça doit être très dur. Concupiscence. C'est le combienième de try? Comment ça, c'est le combienième de try? Forcément, c'est le premier. Enfin, je sais pas, on one-shot tout, hein. Eh, j'ai déjà une save à 100%, hein. J'ai 1000 heures de jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Sky, encore ? Bombs are key. Pretty fly. Ça sert à rien. J'avais dit la dernière fois que la prochaine c'était la bonne. Je crois que j'ai eu raison. C'est vrai. Merde, j'aurais dû rentrer dans la porte. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein, c'est sûr d'ici. Les Cassos sont en train de sortir une nouvelle saison. Le dernier épisode sorti, le premier de la saison donc, porte sur une peluche que tu possèdes. Oui, je l'ai vue. C'est avec Tom Nook et Marie. J'ai pas vu, ne spoilez pas. Bah go regardez, ça dure 2 minutes au bout d'un moment. Vous voulez pas de spoil, mais faut y aller là. Hop hop hop. Ouais, j'ai pris le caca rouge, mais c'était volontaire. J'ai pris les caca rouges.
coup dur. Mon père est dans la pièce à côté, j'ai le PC en haut-parleur, je vais éviter de mettre les cassos. Ton père nous entend actuellement ? Savez-vous ? On a un maxi dildo XXL, s'il vous plaît. Savez-vous qu'on joue à un jeu où nous entrons dans un utérus ? Nous sommes actuellement dans un utérus ! J'ai oublié le placenta. Oh, ça d'oignonne. Bonjour, monsieur. Moi, je regarde un stream. Je regarde une streameuse, un streamer. Et je pompe. Faut pas nous dire des choses pareilles, hein. Ok Google, envoie un message à papa. Je n'ai pas trouvé les capotes. Peux-tu en acheter ? Envoyé. J'ai pas de papa. J'aurais dû dire, tant pis, on fera 100. C'est vrai. Meilleure blague, meilleure blague. Elle s'est allumée, j'ai eu peur. Vous n'avez pas de papa, mais est-ce que vous voudriez un daddy ? Si vous voulez, j'ai un nain sur vos classiques. Il s'appelle Harry Chest. Je suis allé à l'autre bout du monde alors que c'est de l'autre côté. C'est moi le daddy. Le gros nounours. Et finalement, c'est ce challenge là. Hein. Nous sommes le daddy. Family man. Vous avez compris ? Et la dernière salle est une crotte. Et c'est fini pour ce challenge. Et voilà, nous avons le super fœtus. Et nous avons débloqué un challenge aussi. Et voilà. Facile ce challenge, facile, c'est du one shot. Hein. Merde, j'ai quitté le jeu. Bah, de toute façon, c'est bon quoi. C'était vraiment la der, quoi. Anecdote. Quand j'étais petite, j'ai demandé à mes parents, c'est quoi ? Non, mais quoi ? Alors qu'on était à la caisse, c'était gênant. J'ai pas fini cette phrase en respect aux personnes qui ont le haut-parleur. J'ai pas terminé la phrase où Ailitsa proposait comme anecdote, quand j'étais petite, j'ai demandé à mes parents, c'est quoi un boukake ? Et du coup, j'ai pas voulu finir cette phrase. J'avais 10 ans.
c'est pas du tout là. Je suis paumé là, je suis perdu. On est à 196 secrets. Les saintes écritures nous disent que nous en sommes à la ligne 35 où enfin nous allons pouvoir jouer Jacob et Esso et pas pour n'importe quoi. Il faut faire Blue Baby, The Lamb, Boss Rush, Hush, Delirium, c'est-à-dire beaucoup. Voilà, pour débloquer Red Stew, Birthright, Rock Bottom, Stairway, Damocles, Vanishing, Twin Suplex, Apollyon. Mais ça, c'est la prochaine fois. C'est la prochaine fois car je suis fatigué. Je peux pas. Je peux pas m'occuper de Jacob et Esso là maintenant alors que j'ai les yeux explosax. Tu vois bien que je vais pas bien. Ça se voit, non? Bon. Ce sera donc la prochaine fois. Et ce sera bien, ce sera bien. Des bisous YouTube, j'espère que tu as apprécié cette délicieuse run. Bye bye.